Bonjour, bonjour mes beautés. C'est printemps. Le printemps est arrivé. Et nous, on doit sentir ce printemps à l'intérieur de nous. Allez mes fleurs, vous devez fleurir, vous devez vous ouvrir. Aujourd'hui, c'est dans mon planning, la moitié de la journée, c'est la journée des mails. Alors, je lis les mails. Et comme je suis très en retard avec les mails, là, j'ai lu un mail du 4 février. Je suis en février maintenant. Et je voulais vraiment partager avec vous cette petite mail, encore une fois pour vous encourager de prendre votre santé, de prendre votre beauté dans vos mains. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible. Quand j'ai lu ce mail ce matin, j'ai eu tout de suite les larmes dans les yeux et je veux partager ça avec vous. C'est pas beaucoup, c'est qu'un petit mail. Alors, c'est le mail du Khadija. J'ai acheté le programme basique des visages normaux et j'ai pratiqué pendant 2 mois. J'ai eu des résultats satisfaisants au niveau du cou et de la posture et mes douleurs cervicales ont disparu. Puis, j'ai acheté le programme avancé. Après 2 mois, toujours pas de résultat, et j'ai dit que j'ai commis une erreur de quelque part. En regardant ta vidéo concernant le diaphragme, attention, le diaphragme, je me suis documentée sur le sujet, et comme je suis coach sportive, et là pour moi c'est très important parce que c'est une de mes collègues, c'est une coach sportive qui écrit ce mail-là. Je suis une ex-coach sportive et j'ai arrêté de donner des cours de pilates et du body balance et je ne fais plus que de la musculation pendant 10 ans. Alors, elle fait que de la musculation pendant 10 ans. Je me suis rendu compte que tous mes muscles sont devenus courts et contractés, ce qui m'a causé mal de dos et cervical. Mais je ne savais pas que ça peut avoir des influences sur mon visage. Rides du lion, les nasogéniens trop marqués, joues tombantes, etc. Depuis le mois de mars, j'ai pris la décision d'arrêter le programme et de commencer le yoga pour mon corps. Jusqu'à aujourd'hui, et là, je vois que ma silhouette a changé aussi mon cou. Et 50% de ma ride du lion a disparu, mes joues moins tombantes, et j'ai compris ce que tu nous as dit en ce qui concerne le travail périphérique. Et maintenant, je reprends mon programme basique et je suis sûre que je vais vite avoir des résultats. Tu transmets quelque chose, Dorina, que personne n'a jamais transmis. Tu es une femme extraordinaire et courageuse. Merci beaucoup d'avoir changé ma vie. J'ai 55 ans et je vais vivre une deuxième jeunesse grâce à toi. Voilà, quand j'ai lu ce mail, maintenant aussi j'ai des émotions et je ne cache pas les émotions parce que pour moi, les émotions sont naturelles, elles doivent sortir. Mais vous savez pourquoi cette mail m'a créé. Voilà, j'ai envie de pleurer, mais vous savez pourquoi? C'est des larmes de joie. Parce que. Ça me rappelait tout de suite ma professeure de yoga. En fait, moi, quand j'étais en Italie, vous savez que je viens de loin, comme vous dites, j'ai eu un divorce qui était très mal vécu. Et j'étais en dépression pendant quelques années avec une fibromyalgie sur mon dos aussi. Et en fait, j'étais en train de prendre des médicaments très très forts, des antidépressifs qui me rendaient encore plus dépressive. Et voilà, l'univers, il a vu que j'arrive en Italie et je rencontre ma professeure de yoga, Gabrielle. En fait, pour moi, Gabrielle, c'est elle qui a changé ma vie. C'est elle qui, un jour, quand je suis allée à son premier cours de yoga, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi. Mais c'était difficile à faire le yoga, à suivre le yoga, parce que c'était vraiment difficile contre mon mental. Tout mon mental, il voulait pas ça. Moi, j'étais en dépression.
Et un jour, en fait, avant de rentrer dans le cours du yoga, dans le vestiaire, j'étais en train de me changer et il est venu aussi. Et moi, je voulais prendre mes médicaments, c'était mes antidépresseurs. Il l'a vu, il a dit, Dorina, tu prends ça? J'ai dit oui, parce que voilà. Alors, il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu me fais confiance? Donne-moi ces médicaments. Il a pris les médicaments, il les a jetés à la poubelle. Là, j'ai eu un coup de peur, de panique, parce que qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais dormir ce soir sans ces médicaments? J'étais vraiment paniquée. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui a dit, OK, c'est comme ça, alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et depuis ce jour, j'ai pas pris les médicaments, les antidépresseurs. J'ai continué à faire du yoga. J'avais beaucoup d'attaques, des paniques pendant la nuit. Et pour moi, Gabriella, en fait, a changé ma vie. Et maintenant, en fait, parce que je l'ai dit à elle aussi, et je le redis encore aujourd'hui, et quand je reçois des mails comme ça, des messages comme ça, Dorina, tu as changé ma vie. J'ai dit merci, merci à l'univers parce que, vous savez, maintenant c'est mon tour. C'est mon tour de changer avec quelque chose, peut-être avec un mot, peut-être avec un geste, peut-être avec un exercice que je vous donne, peut-être avec une émotion, peut-être, je sais pas. Mais je suis vraiment très contente. Et si ça suffit qu'une personne a un bénéfice de mes exercices, et là, je suis vraiment heureuse. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette émotion. Merci Khadija pour ton message. Et je suis très contente, les filles, que y a de plus en plus de mes collègues, des coachs sportifs, en fait, des personnes qui sont dans le métier, qui comprennent cette erreur de travailler les muscles du visage avec le même concept que les muscles du corps, de les contracter, de les muscler, c'est pas bien. Et pour le corps, c'est bien de faire ça, mais il faut que vous, à la fin de votre cours de musculation, que vous faites des étirements. Et il faut vous étirer beaucoup, beaucoup et relâcher les muscles. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous contractez, 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 les muscles vont devenir plus courts. Et vous avez vu, même Khadija, il nous confirme ça. Mais en travaillant avec le diaphragme, en travaillant avec les étirements des fascias, du tout le corps, on peut avoir déjà des résultats sur notre visage. Je vous adore, mes beautés. Merci que vous êtes avec moi. Je voulais remercier vraiment les filles qui étaient avec moi dimanche dans le webinaire pour les yeux. C'était prévu 1 heure et demie, mais on a fait 2 heures et demie. Mais là, j'ai reçu plusieurs mails de votre part que c'était génial, que c'était bien, que j'ai bien expliqué. Et ça m'encourage de faire encore des webinaires, de faire des cours comme ça, pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne et pour que vous, un jour, arriviez à choisir vos exercices toute seule et à prendre vraiment la beauté de votre visage dans vos mains. Voilà, je vous embrasse très, très fort à vous tous. Je vous fais un grand, grand, grand sourire. Regardez la nature. La nature commence à se réveiller maintenant. Il faut que tout te réveille aussi. Je t'adore. Si vous êtes intéressé, parce que j'oublie de dire ça à chaque fois, mon fils, il a dit, encore tu as oublié, abonnez-vous à notre page. Appuyez sur la cloche pour activer les notifications et vous allez voir chaque vidéo qui va sortir, vous allez recevoir une notification. Et bien sûr, si vous êtes intéressé à mes programmes de beauté, du rajeunissement du visage, vous pouvez rentrer sur mon site professionnel, juste en bas de la vidéo, et là, vous allez voir tout mon travail. Bisous et on se voit la prochaine fois. Ciao les filles!